hapata coup de fil balasema tumupe representant wa JDPS na yala mkeme njake maneno JDPS jina fake ni chintu iti JDPS. Vous allez entendre Bandeko Awa Ezali Major Guillaume qui rassure la population de la localité de Pinga que les forces armées congolaises sont bel et bien présentes. Elles sont en train de s'interposer entre les factions rebelles qui se battent entre elles. Mais est-ce que nous voudrions, Bandeko, ce n'est pas cette interposition. Ce que nous souhaiterions, c'était que l'armée Nabiso a désarmé deux factions rivales Oyo. Bien que la population empathie, mais nous demandons beaucoup plus que
Oyo Bazali Kosala présentement. Parce que Major Azoye Bissabiso que Bazali Kosala s'est interposé. Nous avons besoin de, au-delà de l'interposition, Bazala, Bakende, au-delà, Bak désarmé, les deux factions rivales. S'il faut qu'on s'en renfort, il faut qu'on s'en renfort. Face à une observation, je pense que c'est Sili. Nous avons besoin que les forces armées s'imposent sur le terrain. Parce que c'est inconstitutionnel qu'il y ait un groupe de gens qui détiennent encore des armes, qui continuent à semer la pagaille et la mort dans la population congolaise, dans la paisible population congolaise. Bolanda, Major Mathieu, qui va parler de cette situation. Merci. Pinga, à l'heure où je vous parle, et ce qui est beaucoup plus important, c'est que nous sommes en train de nous interposer entre les deux factions des NDC rénovés. Comme je vous l'ai dit, c'est pour que notre population ne souffre pas des dégâts collatéraux du fait de l'affrontement de ces deux milices. La population doit avoir confiance en son armée. L'armée est là, c'est pour sécuriser la population, mais aussi traquer tous ceux qui détiennent illégalement les armes. Notre mission, c'est celle-là. Je pense qu'il est temps pour eux de déposer les armes. Nous avons pris acte la fois passée des déclarations qu'ils ont mis sur la place publique, les déclarations selon lesquelles ils étaient prêts à se rendre aux forces armées de la République démocratique du Congo. À l'heure qu'il est, le message que nous pouvons leur adresser, c'est que les forces armées de la République démocratique du Congo, à travers le secteur opérationnel Nord Kivu-Sukola 2, veulent un autre signal fort. Et ce signal, c'est de le voir se rendre le plus tôt possible et de déposer les armes auprès des forces armées de la République démocratique du Congo. C'est ici le lieu de demander à notre population de regarder dans la même direction que son armée. Nous avons déjà tout le moyen, tant humain que matériel, dans la zone, et nous allons nous interposer entre les deux groupes et nous allons continuer à les traquer tous sans distinction.